Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui je suis avec Luc, la machine Luc. Ça va mec? Ça va super. Ça fait plaisir que tu sois sur la chaîne. En plus là c'est un invité spécial, ça change un petit peu d'habitude, vous allez voir, vous allez apprendre des trucs de malade. Alors Luc, vas-y, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ce que tu fais exactement. Bah ouais, donc Luc Gégère, je suis le concepteur de la méthode Nerti. C'est-à-dire qu'en fait, j'aide les personnes à se libérer de leur phobie en une séance et définitivement. Mais pas que les phobies, en fait. Et D'accord. non seulement je les libère de leur phobie, mais surtout je leur apprends à le faire par eux-mêmes. C'est-à-dire que j'ai Ah ouais. une thérapie en ligne dans laquelle j'explique aux gens comment faire, avec un accompagnement pas à pas, pour arriver à la fin à être capable de se libérer de n'importe quelle phobie. Et les phobies, mais aussi tout ce qui est les limites psychologiques, tout ce qui est les attaques paniques, les jalousies maladives, les angoisses maladives, la peur de parler en public, enfin voilà, toutes ces choses, le syndrome d'abandon aussi, tu vois, les blessures psychologiques et émotionnelles. Et donc tout ça, ça peut se libérer en une séance et de façon définitive. Non, mais c'est énorme ce que tu me dis là. C'est énorme. Bah attends, du coup, ça veut dire, imaginons, moi, ma femme, elle a peur des araignées. Ouais. Dès qu'elle voit une araignée, elle craque, ah, elle crie, tout ça, tu Et peux. ben bien sûr, il suffit qu'elle aille dans la. Enfin, si elle fait la formation, elle Ouais. va apprendre. Donc, d'abord, il y a des éducatifs pour que. Parce que le fait qu'elle réagisse comme ça veut dire qu'elle ne fait pas ce qu'il faut pour que ça se libère. Et donc, D'accord. il faut d'abord apprendre. Il y a deux, trois éducatifs à apprendre. Comme. Quand tu veux apprendre le golf, bah, tu apprends d'abord à tenir le manche, après tu apprends à regarder où tu vas avec ta balle, tu apprends à frapper, bah, là c'est la même chose. Ou toi avec le saxo, bah, au début on te donne des éducatifs de doigts, on te dit de faire les gammes, on dit de faire des trucs comme ça avant de commencer à jouer. Et bah, là c'est pareil, il y a des éducatifs de fonctionnement du cerveau, et une fois qu'on a les éducatifs, qu'on a les bons réflexes, parce que le problème c'est qu'on a des mauvais réflexes, et les deux mauvais réflexes qu'on a, c'est. On veut comprendre, c'est-à-dire souvent c'est ça l'erreur, on dit ouais, j'ai ça, mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai peur des araignées? Sauf que c'est une question complètement idiote parce qu'on n'a aucun moyen, c'est pas parce qu'on sait pourquoi on l'a, alors on dit ouais, c'est parce que j'ai vécu ça ou parce que ma mère ou parce que blabla, mais les gens ils disent ouais, maintenant que tu sais pourquoi, ça change quelque chose? Non, donc ça sert à rien. Et en contraire, ça renforce le problème. Donc déjà, ça c'est la première erreur. La deuxième erreur qu'on fait, c'est qu'on cherche à contrôler. C'est-à-dire qu'on a peur et du coup on se bloque et on essaie de contrôler comme ça. Et ça, c'est la deuxième erreur, ça bloque le système. Et donc il faut rééduquer le cerveau pour changer ça. Et après, bah, il suffit de suivre la recette pas à pas. C'est-à-dire que j'ai fait vraiment une feuille de route avec petit 1, on fait ça, petit 2, on fait ça, petit 3, petit 4, voilà, et ainsi de suite. Et une fois que les gens font ça, ils se libèrent. Ok, c'est superbe Et ça. donc ta femme, elle peut se libérer comme ça. Et j'ai un super exemple, c'est que ma femme, ma compagne, je suis pas marié, mais bon, peu importe, Non, c'est ok. c'est ça. Pas de problème. Et elle sait que je travaille là-dessus, mais elle voulait pas travailler avec moi sur sa phobie de l'avion parce qu'elle voulait pas, je sais pas quoi. Enfin, ouais, c'est comme j'étais son compagnon. Voilà, voilà, c'est un problème. Du coup, elle a fait ma formation en ligne. Et elle s'est libérée de la phobie, Carrément. ouais. Et elle s'est libérée de sa phobie de l'avion. Et du coup, après, on est parti à Bali, on est parti aux États-Unis, on est parti en Thaïlande. Voilà. Mais alors qu'on Énorme. pouvait pas, quoi. On était allé jusqu'à Venise ou jusqu'à Lisbonne en voiture, quoi. Tu Ah vois, tellement ouais. parce qu'elle Oh pouvait là pas, là. Ah ouais, elle pouvait pas prendre l'avion. Et On s'est du tapé genre 15 heures de voiture au lieu de prendre Ah 2 heures ouais. d'avion, quoi. Tu sais, c'était horrible, quoi. Et du coup, elle a fait ça. Donc dès qu'elle a fait la formation, en une seule séance, elle a réussi à se libérer? Ouais, enfin, j'ai pas regardé comment elle a fait, mais de Ouais. toute façon, le moment où tu libères, c'est une séance. Alors, des fois, il y a des gens, du premier coup, ils n'y arrivent pas. Donc, ils essaient une fois, deux fois, trois fois, mais bon, ça va, quoi. Ça va, quoi. Oh bah oui, Mais carrément. le moment où ça switch, c'est ça qui est intéressant, c'est que le moment où tu fais bien la séance, pouf, c'est fini. Ouais, c'est Ah, c'est instantanément énorme. fini, Et est-ce que tu peux, sans donner tes secrets, mais un peu nous expliquer comment ça se fait que t'as. quoi. Comment j'ai trouvé ça? Ouais, comment t'as trouvé ça et Bah, surtout moi, comment. à la base, j'étais quelqu'un de phobique social, donc timide, maladif, incapable de parler devant trois personnes sans bafouiller, aller aborder une fille qui me plaisait, alors c'est même pas en rêve, quoi. J'étais vraiment super mal avec ça. J'avais même des limites de bégaiement de temps en temps, enfin voilà, c'était horrible.
Et donc, je cherchais tout le temps à me débarrasser de ça. Et j'étais, j'essayais de me battre, quoi. Donc, j'avais fait une liste, par exemple, de toutes les choses qui me faisaient peur. Mmh. Et la plus simple, puis après, un peu plus compliquée, puis un peu plus compliquée. D'accord. Et pour la petite histoire, mais vous ne marrez pas. Hein. Le premier truc, je me rappelle, qui était dans la liste, c'était aller oser demander une baguette de pain à la boulangère. Ah ouais. C'était le premier truc quoi, que je flippais. Et après, le deuxième, c'était d'aller demander du pain et de changer d'avis. C'est de dire, ah, au lieu de prendre une baguette, je vais prendre un pain. Et je sais pas combien de temps j'ai mis pour arriver à faire ça, quoi. Je sais pas. Alors des fois, j'achetais 2, 3, 4 baguettes dans la journée. Parce que j'arrivais pas à changer d'avis, quoi. Enfin, c'était dans des boulangeries différentes aussi, hein, parce que sinon, ouais, dans la même, j'aurais l'air trop con et je pouvais pas le faire, quoi. C'était horrible. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, et donc, je me suis battu comme ça toute ma vie. Et j'ai essayé toutes les thérapies. Donc, aujourd'hui, je suis formé à une quinzaine de thérapies différentes. Mmh. Et vraiment, je trouvais pas de solution, quoi. Et un jour, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à me trouver dans une situation où je devais improviser au piano en public, alors que je sais pas jouer le piano, mais c'était dans un festival. Donc, par bravade, tu sais, j'avais dit ouais, j'y vais. Mais je pensais que j'allais flipper, tu sais, je pensais que j'allais avoir la gorge sèche, je pensais que j'allais trembler, que j'allais bafouiller un peu, que j'allais avoir chaud comme d'habitude, quoi. Ouais. Mais quand j'y suis allé, il y avait rien qui s'est passé. Alors, sur le moment, j'ai pas fait très attention quand même. Mm-hmm. Et après, donc le gars il m'a expliqué, ouais, il faut taper là comme ça, faire des trucs. Du coup, j'ai essayé, alors que je ne suis pas musicien du tout, hein, mais voilà, je le fais. Ouais. Et là, j'ai carrément oublié le public. Et ça, quand tu es timide, c'est un truc, ça n'existe pas, quoi. D'accord. Dès que tu es en public, en tant que timide, tu as l'impression que les gens ils te touchent avec leur regard. Là, il y avait à peu près 50 personnes autour. Et donc, c'est que quand j'ai relevé les yeux, je me suis dit, mais putain, waouh, il y a 50 personnes qui sont là, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, comme j'étais déjà thérapeute à ce moment-là, eh ben, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Et du coup, j'ai regardé ce que j'avais fait dans les jours d'avant. Ouais. Et j'ai commencé à le pratiquer en cabinet. Et c'est là où ça a commencé à marcher. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre ce qu'a fait Nerti ensuite. Ouais. Et à l'époque, le process, il durait une heure et demie, deux heures, pour trouver le truc. Ouais. Et j'ai raccourci. Maintenant, c'est quelques minutes. Parce que j'ai trouvé ce que j'appelle le verrou. C'est-à-dire le moment où le cerveau, il bascule. Entre j'ai peur et j'ai plus peur. Putain, mais en fait, ce que tu as trouvé, c'est un truc énorme, mais c'est un surdoué. C'est un surdoué, la dame, on le voit comme ça, mais c'est un surdoué. Mais du coup, les instituts, qui, je sais pas, je connais pas trop, mais les instituts qui sont au-dessus, tout ça, est-ce qu'ils ont validé ta méthode? Ils sont plutôt en train de se battre contre moi en moyenne. Ça m'étonne pas, ça. M'étonne pas, ça. Bah ça oui, ça casse que... leur truc. Quoi. Ah ben ouais, complet, parce que quand je dis que le gars, il a fait 10 ans de psychanalyse, enfin, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Ça reste entre nous, les gars. C'est ça. Vous ne racontez pas que j'ai dit ça. Bon. En fait, 10 ans de thérapie, quel qu'on veut, machin. Pas. Et puis, ils arrivent, ils viennent me voir, ils font une séance, pouf, c'est mort. Enfin, plus maintenant, ils peuvent. Parce que je consulte plus. Ouais. Enfin, ou alors des entrepreneurs de haut niveau, enfin, des choses comme ça. Ouais. Mais sinon, je consulte plus le particulier. Et donc, en une séance, même, ils font ma formation en ligne et en une séance, ils dégagent un truc qu'ils ont depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a des gens, j'ai des témoignages de personnes. Il y en a une, je crois que ça faisait 45 ans qu'elle avait le même problème et qu'elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Et elle fait la formation, paf, en une vingtaine d'heures de formation, pouf, c'est plié, quoi. Donc, c'est dingue. C'est vraiment énorme. Quoi. Et du coup, est-ce que... Parce que par rapport aux entrepreneurs, parce que là, je sais que les gars, vous êtes des entrepreneurs, vous dites, ouais, c'est gentil, mais par rapport à nous, qu'est-ce qui se passe ? Pour les phobies, ils s'en foutent un peu. Ouais, j'ai pas peur des araignées. Mais il y a des gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont timides et ça pourrait intéresser, tu vois. Pour la timidité, ouais, ça marche très bien. Pour la prise de parole en public aussi, c'est vraiment... Je suis l'exemple de base, quoi. Moi, c'était ça, quoi. C'était vraiment la prise de parole en public. C'était un truc, mais impossible. Et depuis, j'ai fait des conférences devant plus de une fois 1000 personnes, l'as vu, ouais. 2000 personnes l'année d'avant. J'ai fait des émissions de télé en France 2, en antenne M6, Télé Sud, enfin voilà. Donc, ouais, par rapport à ta méthode, t'es passé sur toutes ces chaînes. Et ça, c'est un truc que j'aurais jamais pu faire. Mm. J'aurais jamais pu faire ça avant, quoi. J'aurais été tétanisé complet. Ouais.
Tu représentes bien ton produit, quoi. Ouais, ouais, non, c'est. Ouais, donc, ouais, alors, j'avoue, en une séance, perdre, pouvoir avoir confiance pour pouvoir prendre la parole en public, c'est énorme. Ah, c'est énorme, ouais. Et par rapport aux entrepreneurs, est-ce que c'est possible, par exemple, que. Qu'il y ait des blocages psychologiques pour pouvoir gagner plus d'argent pour les entrepreneurs. Yes, énormément. En fait, il y a souvent les. Moi, j'ai souvent des entrepreneurs que, avec lesquels je discute et qui me disent ouais, mais j'arrive pas. Je plafonne, par exemple. Ils disent ouais, mais je comprends pas parce que je fais tout ce qu'il faut et tout. Et puis ma boîte, dès que j'arrive à un certain niveau, pouf, je redescends. Puis après, j'arrive au même niveau, pouf, je redescends. Et ils disent mais c'est quand même bizarre, il y a un truc qui se passe. Et il y en a d'autres qui disent, ouais, mais c'est juste techniquement, il faut que j'apprenne mieux avant, il faut que j'apprenne mieux ça, il faut que j'apprenne mieux ça. Mmh. C'est sûr qu'il faut. Ouais. C'est sûr, hein, de toute façon, il faut quand même s'améliorer sans arrêt techniquement. Mais il y a aussi des freins psychologiques et des choses qui font que il y a une partie de notre cerveau qui croit que si, mettons, on dépasse un certain seuil, ça va être, il va nous arriver une catastrophe, on risque de mourir, un truc comme ça. Mais le truc, c'est qu'on sait très bien intellectuellement. Que, et logiquement, que c'est pas vrai. Ouais. Mais cette partie du cerveau qui croit qu'il y a un danger, c'est pas la partie qui réfléchit. Mm-hmm. C'est la partie instinctive, la partie reptilienne. Donc c'est l'instinct, c'est l'instinct de survie, quoi. D'accord, ok. Et cette partie-là, elle comprend pas le langage. Mm. Donc t'as beau dire, ouais, mais non, il n'y a pas de danger. Mais cette partie-là, elle dit, si, on va mourir. Ouais, ok. Et du coup, elle se débrouille pour t'auto-saboter, le fameux auto-sabotage, d'accord. De te donner le syndrome de l'imposteur, de te faire procrastiner, c'est-à-dire de remettre au lendemain sans arrêter les choses, ouais. De pas faire ce que tu serais censé faire, de te faire flipper quand tu dois donner un coup de téléphone alors qu'il n'y a pas de raison de flipper, que le truc que tu aurais dû faire depuis 6 mois, bah, tu vas le faire dans les 2 derniers jours, au lieu de le faire dans les 6 mois. Ouais. Enfin voilà. Et c'est parce qu'il y a cette partie du cerveau qui se croit en danger de mort. Et moi, ce que j'apprends donc avec cette technique, ce qu'on a à apprendre, c'est expliquer à cette partie du cerveau que dans cette situation-là, il n'y a pas danger de mort. Alors, j'avais parlé des phobies au début, de la peur de parler en public, mais c'est pareil pour la peur de réussir, c'est pareil pour la peur de l'échec, c'est pareil pour toutes ces peurs psychologiques qui empêchent les gens de vraiment. Avoir un business qui soit à la hauteur de ce qu'ils méritent, quoi, des efforts qu'ils y mettent. Ouais, parce que souvent, les gens, ils mettent beaucoup d'efforts, ils bossent comme des calus, et puis ils ont un résultat tout pourri. Ouais. Et ben, une des très bonnes raisons, en plus du côté technique, c'est d'avoir une partie du cerveau qui veut surtout pas obtenir des résultats. Parce qu'elle dit, si on obtient les résultats, on est mort. Putain, c'est énorme, ça. Ouais. Et est-ce que tu l'as déjà fait sur des entrepreneurs, du coup, cette technique énormément. Alors, j'en ai déjà dans la formation. Et puis, comme je disais tout à l'heure, je travaille avec des entrepreneurs, effectivement. Ouais. Et par exemple, j'ai un entrepreneur avec lequel j'ai travaillé. Lui, il est venu, il venait pour la prise de parole publique aussi parce qu'il plafonnait. Donc, il avait trois boutiques à ce moment-là. Et ça faisait un peu plus d'un an qu'il voulait ouvrir une quatrième boutique. Ouais. Et il sentait qu'à chaque fois, ça se passait pas bien. Il se débrouillait pour rater le truc. Enfin, il se rendait bien compte qu'il y avait un truc bizarre qui se passait avec lui. Donc, on a fait une séance avec lui. Donc, c'est une grosse séance, hein, quand même. Mm-hmm. Et d'abord, la première chose, c'est qu'il a pris la parole en public devant 1500 personnes peu de temps après. Donc déjà ça, ce qui était déjà énorme. 3 mois après, il avait ouvert 3 autres boutiques. Voilà le changement aussi. Et non seulement ça, mais en plus, du coup, il y a eu des effets, ce que j'appelle des effets collatéraux, mais positifs. Ouais. C'est-à-dire que du coup, ça a amélioré sa relation avec sa femme parce que comme il bossait beaucoup, ben, ça avait mis un peu le paix dans son couple. Ouais. Et du coup, il s'entendait mieux avec sa femme. Avec ses parents aussi, du coup, il a renoué avec ses parents suite à ça. Mais le soir même, quoi, c'était énorme, quoi. Ouais. C'était suite au travail qu'on avait fait. Et au niveau de sa femme, ça faisait un moment qu'il voulait avoir des enfants, mais qu'il n'en avait pas. Un mois après, elle est tombée enceinte. Donc, tu vois le truc un peu, c'est parce que on travaille sur une chose, mais il y a plein de choses qui se ramifient, qui vont avec et qui changent tout, quoi. D'accord, ok. Donc, c'est vrai que quand on connaît pas, qu'on n'est pas trop dans le délire, on peut se dire, ouais, c'est du mytho, tout ça, mais voilà, de diplôme, c'est quelque chose de rationnel. Ouais, j'ai une quinzaine de certificats de thérapies différentes, donc j'ai bossé énormément avec ça. Et dans la formation en ligne, il y a 3500 personnes qui en font partie. En plus, il y a une garantie de résultat, donc.
voilà, si ça marchait pas, ça se saurait, quoi. Ouais, c'est, ça se saurait puis, à fond, quoi. Et puis le truc qui montre que c'est vraiment un truc de malade, c'est que les instituts sont contre toi. Bah ouais. Donc là, c'est ça, ouais. Si jamais t'étais un fanfaron. Je me fais. Enfin, j'ai régulièrement des attaques, des trucs comme ça. J'ai même. Alors, il y a quelques psychiatres, par exemple, intelligents que j'ai formés. Et qui du coup l'utilisent, ouais. Mais il y en a plein qui arrêtent pas de vouloir me mettre des bâtons dans les roues et des trucs comme ça. Ils vont perdre de l'argent. Voilà, c'est ça, ouais. En une séance, les gars, ils prennent des patients sur 10 ans, toi t'as une séance, boum. C'est ça. C'est énorme. Ouais. Ok. Donc c'est en train de faire une révolution et le truc c'est qu'en plus une fois qu'on a travaillé sur soi, on peut même aider les gens autour de soi. C'est-à-dire que si, mettons, ta femme, elle l'apprend, et que toi, elle veut t'aider, elle peut t'aider. Il y a les niveaux, donc il y a le premier niveau qui est juste travailler sur soi, puis après, il y a les niveaux pour accompagner les proches, et après, le niveau professionnel pour être thérapeute. Donc, j'ai plein de thérapeutes aussi qui sont formés à la Et tout ça, c'est dans l'ERTI ? Ouais. Oh là là, mais... Ouais. Ah ouais, t'as vraiment tout mis. Mais tu m'étonnes que les gars, ils veulent te mettre des bâtons dans les roues. T'es en train de créer plein de thérapeutes qui cassent les trucs en un jour. Bah ouais. Et moi je veux foutre la révolution, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Ah, mais en tout cas superbe histoire, Luc Gégère. Yes. Et comme le compteur. Tu voulais rajouter un truc? Non, rien. Okay. Juste une chose, c'est que vous savez pas à quel point ça peut changer votre vie de vraiment se libérer de ces blocages émotionnels. Parce qu'en fait, on a tous un diamant, on est tous chacun un être exceptionnel. Et souvent, c'est masqué par nos réactions émotionnelles, par ces limites psychologiques qui font que on joue petit bras, quoi. On est là, mais jusque moi, j'ose pas, je machin. Et quand tu dégages ces limites, d'un coup, le vrai toi, il peut sortir, la vraie personnalité, elle peut sortir, le vrai entrepreneur, il peut sortir, il peut vraiment réussir au niveau où il est censé réussir, impacter toutes les personnes qu'il est censé impacter. Du coup, ça change complètement la donne, quoi. Donc, si vraiment tu as envie de. Je te conseille de vraiment faire changer faire péter tes limites émotionnelles, et notamment avec NERTI. Bon, en tout cas, les gars, je vous mettrai tous les liens qui sont en dessous pour aller jeter un coup d'œil. Luc, si je l'ai ramené, les gars, c'est vraiment du lourd. C'est vraiment un surdoué. Quand j'ai dit, c'est pour mot, c'est vraiment vrai. J'ai discuté avec lui, il me disait que c'est un surdoué, voilà, tout simplement. Donc voilà, super, merci Luc pour toute la valeur que tu as apportée, c'est énorme. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, mets-moi en commentaire ce que tu en penses, mets-moi un j'aime, et puis voilà, puis on se dit à une prochaine vidéo. Yes. Et puis c'est pas parce que je suis un surdoué que ça marche, c'est parce que c'est la méthode qui marche, c'est pas moi qui marche. Yes, non, mais les gens ils se disent, bon si c'est un surdoué, c'est vraiment une méthode, tu vois, genre ça. Ouais, mais après ils croient que c'est moi qui fait que ça marche bien. Ah ouais, c'est vrai, ah ok, je comprends ce que tu veux dire. Ah non, c'est la méthode, ils peuvent le faire eux, ils ont pas besoin d'être surdoués pour le faire, c'est ça que je voulais dire. T'as bien fait de rajouter ça, Luc. Ok, les gars, donc prenez soin de vous et on reste déterminés. Yes.